Bienvenue à tous pour ces nouveaux commentaires de match de la ROF pour DOA donc. Yo Big. Yo Bonus. Donc il s'agit d'un match-up assez compliqué entre Kokoro et Jamie. Donc on va voir comment Mr. Angrin se débrouille contre The Champ. The Champ, monsieur 3-0. donc voilà, donc là il a rattrapé le step avec un VP, c'est pas mal. Donc ça look plus safe, hein. Ah, ça c'était un safe, il aurait pu le tenir. Du coup il meurt. Ouais. Oh là là. c'est dommage. Mais globalement on était. Je pense que les joueurs français étaient clairement pas prêts pour. On s'était pas assez préparé contre Jamie. On voit qu'on fait pas mal d'erreurs sur le match-up. On le voit là, mais on verra quand moi je joue contre lui aussi. Ah mais ça c'est pas très face quand même, Big Dernstone Critical Burst, elle est dure, elle est difficile à gérer. Après les quelques fois où il est unsafe, on finit pas, etc. Voilà, petit combo, là, situation de mur intéressante pour ce jeu. Voilà, bien joué. Donc voilà. Ouais, la cruauté. Totalement. Et bien joué. Ouais, très bien joué. La part de Monsieur Gagbal. Ce 4 trash piston quand même. Ouais. Qui met rouge en 2 secondes. Ça aussi c'est un vrai problème pour moi, ça devrait être un contre-avanté sur les gars. Possible. Ah ouais, c'est l'un des contre plus forts du jeu. Ouais. Donc voilà. C'est un whiff. Voilà, combo. On a tendance à beaucoup voir ça contre un Jani. Avec un Yaren Jani sur la zone, mais bon voilà quoi, c'est bien joué là, il a. Voilà. Un premier match compliqué quand même, hein. Ouais. Oui fais-tu. Oui fais-tu, ouais, c'est ça. Mais pas que. Ouais. Ouais, voilà, donc second match avec notre ami Armgrim contre le Jani du mal. Ouais, crack ball. C'est-à-dire boulette de viande. boulette de viande. Donc on est reparti sur le malheur. Le malheur de la France. Ouais, heureusement que ce stage est pas trop. Ah, les murs sont pas droits. Ouais. Et puis il y a un petit bout de flotte, ça peut avantager Kokoro si jamais elle y va. Ouais, c'est de l'avenir, nous le dira. Ouais. Tu vas avec Hunter, le site d'Anthem et le plus d'Alba. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, je t'avoue. Derrière son coup safe, hein, il est un petit à moins 3. Bon, voilà, la choc du mal dans le mur. Ouais. Ouais, ça commence avec un 4-1, c'est paf. Ouais. Ah il a raté. Là, le step 2, c'est vraiment ça, c'est vraiment les deux trucs que j'ai mis comme step 2 et cap 2. C'est vraiment compliqué de deal avec ça. Ouais. Il y a trop des risques and rewards de fort en fait. Que ce soit dans la garde ou en hit, on mettra un hunter à chaque fois un petit peu. Compliqué. Je pense vraiment que là dans le match-up Kokoro est vraiment. C'est dur vraiment pour elle. Sans vouloir faire genre voilà. Mais... Non mais Kokoro est step-up, c'est son défaut, on le sait tous. Ouais. Le mec il a un des meilleurs step-up du jeu. Et elle a beaucoup de mid-punch. Et... Il a qu'à trash. Et c'est vraiment compliqué. Et le fait est que Andrin en plus a beaucoup de mal sur le match-up. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment pas évident. Du coup c'est un peu un massacre. Donc on est parti pour le troisième match entre Angrin et Gagbal. Peut-être balle de demi-finale hein, balle de match donc. Donc Angrin a décidé de changer de perso. Et de prendre Mila. Qui est plus adapté je pense. Pour affronter Jamie, même si c'est pas la fête
Non, bah, c'est, déjà il sacrifie des dégâts, hein, mais là fait moins, beaucoup moins mal que Kokoro globalement. Ouais. Il est plus capable de poker. Il peut l'agresser. Ouais. On peut le mettre dans une situation vraiment vraiment embêtante, même si là on l'a pas vu. Là on avait un perfect. Ah, donc là ouais, combo. Ah, il frappe, il frappe. Ouais. Raté en demi-finale. C'est beau. Testing, voilà. L'avantage de Mila, je pense que là on le voit bien, c'est qu'elle met dans des situations de gros désavantages et Dany a pas grand chose pour s'en sortir. Il a surtout cet effet en fait, mais elle a un PL de son côté. Oui, de son dommage. Donc là, ouais, la combo. Optimisé. Hein. Combo. Voilà, bien joué. Bien joué. Ouais, finition de Boat. Bien vu, bien vu. Donc, voilà, encore une fois, il passe le burst, le combo. Et le bomb stun, et le combo. Voilà. Pour ouais. Revenir dans la game, la petite reset à l'OH. Et voilà le step en défense, il peut faire que ça, j'aime. Que... Ah oui, oui, bah de toute façon, c'est ça. C'est son. C'est ça, la seule voix qu'il a, quoi. Quand il a. C'est là que Mila, justement, devrait commencer à pas être à au 1P, quoi. Ouais. C'est vrai que. C'est dommage. Après, faut pu... Ce round-là aurait pu être pris par. Par André. Mais voilà, mais bon, c'est assez compliqué à. On va pas se cacher à mi-distance. Je pense qu'il vaut mieux utiliser le 4K plus H avec Mila. Que... Oh là là, moi t'as été strike. Bon, bah Hungry, ça passera pas. Out. À bientôt. Allez, à bientôt tout le monde.